Coucou, bonjour. Bonjour. Eh bien, j'ai toujours un peu disparu. Hein. Ça a quand même un peu disparu, maman. Bonjour, ma chérie, bonjour. Ce petit direct, c'est juste pour vous encourager, hein, mes amours. C'est juste pour vous encourager. C'est juste pour vous encourager, mes bienfaiteurs, vous qui pensez. Vous pensez chaque jour à soutenir Asda. Sachez que la reine galloise, la maman des enfants différents, avant d'aller au Cameroun, les grandes vacances là, j'ai commencé un petit boulot, petit jormassi, pour soutenir les actions là. Et ce boulot, c'est dans le ménage. Je fais dans le ménage. Donc je nettoie les maisons des gens, où je vous dis chaque jour. Je nettoie les maisons des gens et tout et tout. Les offices. Je nettoie les offices et tout. On me donne mes 350 livres à la fin de la semaine dans mes cours. Hein, mes copines. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça, j'envoie aux actions sociales, non, maman. Donc, quand mes bienfaiteurs viennent me soutenir là, avant de me soutenir, moi-même, j'ai mis la main dans la pâte. C'est comme ça que ça se passe avec la reine galloise. Je n'attends pas seulement des bienfaiteurs que vous venez soutenir les actions. Vous venez, venez. Quand tu attends seulement des gens, tu ne peux pas avancer. Pour aider les gens, commence d'abord. Pour appeler à l'aide, pour que les gens viennent t'aider à aider les gens, montre d'abord que tu peux faire quelque chose. C'est très important. Même si on a les pages Facebook. Même si nous avons des pages Facebook. Ça ne veut pas dire que c'est nous. Nous ne sommes pas dans la poche des gens. Jamais de la vie. Je nettoie en fait différentes maisons chaque fois, chaque jour. Ça, je peux, avant d'arriver ici ce matin-là, j'ai déjà fait 1h45 chez une autre femme. Je viens faire 2h ici. Après, je vais dans un autre hôtel. Je travaille encore. Jusqu'à l'heure que mes enfants vont rentrer. Maman, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, oh. Même un peu. Je nettoie pas, ma. Je nettoie pas, mes copinous. Je ne dors pas, mes amours. La reine galloise ne dort pas. Et ça, même qui. C'est la raison pour laquelle vous voyez que j'ai même perdu du poids. Je perds même le poids comme ça chaque jour là. C'est parce que je ne dors plus comme avant. Jamais. Je ne dors plus. Courage. Merci, Klinganchu, Pelajingasa. Bonjour, la reine. Bonjour, Chiron. Bonjour. Bonjour, mes amours. Partez le direct, non, maman. Partez le direct pour m'encourager. Partez le direct pour m'encourager. Partez le direct pour m'encourager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes amours. Partez le direct pour encourager la reine galloise. C'est important. Quand on fait dans le social, quand on fait dans le social, on n'attend pas seulement des gens. On n'attend pas uniquement des bienfaiteurs. On met la main dans la pâte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Pas parce que j'ai la page Facebook. Je vais attendre seulement des gens. Non. Attends, les gens arrivent. Hein. Moi-même, j'ai déjà commencé. Ah, mon amour, mon amour, mon amour. On sait dans mon roman ça. C'est une attitude. Envoie les cœurs, non, bébé. Envoie les cœurs pour encourager la reine galloise. Envoie les cœurs. La page est restée, vous le savez. Bonjour, j'ai visé. Bonjour. Envoie les cœurs pour encourager la reine galloise. C'est comment, mes cœurs? On n'envoie pas les cœurs pour encourager. Pourquoi? Hein, mes amours? On n'envoie pas les cœurs pour m'encourager. Pourquoi, mes bébés? Envoie les cœurs pour m'encourager. Attachez le direct pour encourager. Je suis juste à vous montrer mon quotidien, ce que je fais chaque fois. Voilà. Je vous montre juste mon quotidien, là. Vous voyez ce que je fais. Bonjour Dani, bonjour Dani. Bonjour mes amours. Partagez le direct pour m'encourager. Hein? Et ce que je fais ici, c'est dans le noir.
Parce que ici, le gouvernement ici, ils ont refusé que je travaille à cause de mes deux enfants différents. Ils ont dit que tu ne peux pas travailler parce que tu as déjà le travail à la maison. Les enfants doivent être bien portants. Ils doivent être nickel quand ils arrivent à l'école le matin. On n'a pas envie que tu t'épuises beaucoup et après, ça joue sur eux. Et ils ont refusé que tu ne travailles pas pour le moment. Laisse d'abord, repose-toi quand les enfants sont à l'école. Mais puisque j'ai pris l'initiative d'élever le bas peuple, d'aider les enfants différents, d'ouvrir un centre social, mes chers frères et sœurs, j'ai dit dormir pour moi. Je veux dormir avec qui vont, que je vais faire comment avec le centre social. Ça fait aujourd'hui, avant de partir au pays pendant les grandes vacances, que j'ai commencé à faire le ménage. Parce que c'est quelqu'un, une copine à moi et son mari, qui a une entreprise de nettoyage. Je me suis jeté dedans. Donc, quand je travaille comme ça, eux, ils me donnent pour moi de trucs barbac. Dans le noir, ils me donnent pour moi des jetons. Et ces jetons-là me permettent d'envoyer pour les actions sociales. Me permet d'envoyer pour aider le bas peuple et garder un peu même pour mes enfants, pour faire plaisir à mes enfants ici. Voilà comment je m'en sors. Mais le moment venu, quand le gouvernement ici vont accepter, quand les enfants vont plus grandir et qu'ils accepteront que je travaille, parce que j'ai déposé ma demande de travail dans les écoles pour être care. Le moment venu, quand ils vont accepter, je travaille ici légalement là. Allez, je vais rentrer dans le travail directement. Vous verrez, je serai plus fatigué parce que j'ai l'habitude de le faire. Ça ne serait pas un nouveau truc pour moi parce que je m'exerce déjà depuis. Je ne dors pas à la maison. Hein. Je bosse. Je fais le ménage. Le ménage. Oui, je fais le ménage. C'est dans la maison. Rappelez-vous, non? J'ai commencé depuis. C'est parce qu'au départ, je ne voulais pas vous dire tout et tout. Là. Voilà ça. Vous voyez, voilà où je vais nettoyer. Je vais nettoyer tout ça. Et après, je vais aller au salon. Vous avez vu, non? Jusqu'en haut, là. Je vais ranger les chambres. Je vais ranger les chambres en haut, tout et tout. Je vais ranger les chambres en haut. Nettoyer toute la maison, là. J'ai trois maisons comme ça aujourd'hui. Qu'il faut que je mette au propre. Donc, c'est ça le travail de la reine galloise. Amina Tété Congo, bonjour. Cosette Wanda, donc mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices, mes mamans chéries, mes papas chéries, vous que le Seigneur touche le cœur chaque jour de venir soutenir les actions sociales, sachez que celle qui est promotrice derrière là, parent de deux enfants autistes, je ne dors pas. Moi-même, je mets la main dans la pâte. Je me lève pour le bas peuple. Amour Sylvie, mon bébé chéri, bonjour. Merci à tous ceux qui contribuent chaque jour. Merci à tous ceux qui s'élèvent pour les actions sociales chaque jour. C'est ensemble que l'union fait la force. Bientôt, il y a des surprises à venir, comme je vous ai dit là. Peut-être aujourd'hui ou demain, je vous ferai un direct pour vous parler. Mais j'ai un rendez-vous très important aujourd'hui. C'est après ce rendez-vous-là que je vais vous faire part de ça. J'ai envie qu'on change notre pays, notre Afrique. Mais le changement doit commencer au niveau du bas peuple, les handicapés qui pleurent. Parce qu'un handicapé pleure, ses larmes peuvent détruire le pays. Quand je parle, vous croyez que je suis bête. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. J'ai des enfants handicapés, mais ils sont en Europe. Pourquoi je vais plaider pour les enfants du pays handicapé? Parce que Dieu m'a révélé ça, de dire aux autorités, de dire au gouvernement en Afrique, de dire aux personnalités en Afrique. Élever l'Afrique, c'est regarder d'abord les handicapés. Les handicapés qui sont rejetés là. Essayer d'entretenir ces handicapés là. Car quand on va bien les entretenir, quand on va bien prendre soin d'eux, nos ouvertures en Afrique seront naturelles. Il y aura des miracles pour nous. Les portes seront ouvertes en Afrique. Il n'y aura plus de blocage. Tant que vous négligez les handicapés en Afrique, ça va toujours être bizarre. Rosette Wanda, bonjour bébé chéri. Amina Télé dit qu'enfin de la positivité sur les autres. Non, Amina Télé, je ne veux pas ça pour montrer aux gens. Ceux qui me suivent depuis des années, maman, depuis 5 ans sur les réseaux sociaux, m'ont dit que la reine galloise a toujours plaidé. Ce n'est pas un truc que je me suis levé au début, j'ai commencé à faire là. C'est depuis des années, maman. Depuis, merci maman Amina Télé, merci maman chérie. Amour Sylvie, je vais travailler, hein. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, mes amours, pardon. C'était seulement juste pour vous montrer. Je vais travailler. Je n'ai pas le temps, oh.
time, ma baby. I have to walk. Pardon. Moi, je ne peux pas parler beaucoup avec vous. I cannot speak for you for a long time. With you for a long time. Voilà. Il y a 2 heures de temps ici, là. Il faut que je fasse vite. On doit faire vite, 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 vite. On va aller commencer notre hôtel là-bas. Il y a un hôtel à commencer là-bas, de l'autre côté. Copine, bon, 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 je vais vous laisser dans mes amours. Partagez le direct, pardon. Partagez le direct pour m'encourager, s'il vous plaît. Partagez le direct, mes amours. Pour encourager la reine galloise, s'il vous plaît, mes chéris. Et à ceux qui vont travailler, et ceux qui vont seulement que enjoy, c'est comme ça la vie. On n'a pas les mêmes. Les singles ne sont pas pareils. Hein. Évitons de copier les autres. De vouloir être les autres, on ne va jamais être. Évitez de copier les autres, maman. Il faut savoir que les singles ne sont pas pareils. Mais 10 doigts ne sont pas pareils. Voilà. On parlait souvent des femmes. Je croyais avoir tout vu. J'ai rencontré une autre. Elle n'avait pas Lolo. Elle avait le guerrier. C'était le Terminator. On appelle ça quoi? On appelle ça le va-va. Va-va-va, que m'a fait dire? Va-va-va, que manches-tu? Va-va-va, c'est quoi mon frère? Va-va-va, c'est ça. Ça, c'est les trucs qui vont dans le... dans le four. Ça, c'est 2 heures de temps ici. 2 heures. Non, parfois j'ai fini ma vente 2 heures. Je fais souvent, on somme à 1h30 et mon gars fini. 1h30. Je finis rapidement. J'entame l'autre côté encore. J'entame encore l'autre place. C'est comme ça que je fais chaque jour. Dans le sommeil est fini depuis. Le sommeil est fini depuis. Merci mes amours, merci. Envoyez seulement les cœurs là. Envoyez les cœurs pour partager. Pour m'encourager, encourager même les bienfaiteurs là. Encouragez mes amours de bienfaiteurs qui viennent me soutenir là. Mes grandes dames, mes grands messieurs. Mes amours de frères et sœurs. Je dis merci. Aux beaux gosses. À mes frères, les beaux gars qui étaient au centre social hier. Pour apporter de l'aide aux enfants différents. Merci beaucoup. Merci mes amours. Grâce à nous aujourd'hui, ils ont quand même un peu de tuer. Marraine, je te suis depuis, j'ai seulement changé le nom. Ah bon, Amina? Waouh! Ouais, ma star chérie. Donc, mais tous ceux qui me suivent vont connaître, non? Ma vie n'est pas un mensonge. Parce que tous ceux qui me connaissent,
Depuis 2017, sur les réseaux sociaux. 2017, on lance le départ de la reine galloise. Et la reine galloise a toujours dit depuis le moment là que voilà mon combat. Mon combat, c'est les enfants. Mais le moment de Dieu va arriver que je vais lancer le combat pour les enfants. Depuis 2017. Beaucoup de courage, Dieu. Dieu voit ce que vous faites. Oui! Oh, fais la vidéo comme ça, fais le direct. Parce que c'est pas chaque fois. C'est pas chaque fois. Il doit vous montrer ce que je fais au fait. C'est pas chaque fois. Mais fais les vidéos comme ça souvent. C'est juste pour encourager mes gens qui sont dans le. Qui me soutiennent dans cette initiative. Parce qu'il y a beaucoup de aides-soignants, les ménagères, les entrepreneurs, les directeurs, les stars même qui me soutiennent dans cette initiative-là. Donc, et quand quelqu'un te soutient pour que tu aides, attends, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'on a apporté le social de l'Europe pour l'Afrique? Est-ce que vous connaissez vraiment, vous connaissez ce que nous faisons, vous imaginez ce que nous faisons au pays aujourd'hui-là? Les familles, chaque semaine, ont de quoi nourrir les enfants à la maison. Vous croyez que ce que nous faisons, c'est petit, hein? Attendez voir les miracles de Dieu. Ima Sylvie, bisous ma chérie. Vous ne connaissez pas ce que nous faisons, hein? Chaque semaine. Chaque semaine en Afrique aujourd'hui, là, les familles ont de quoi manger. De quoi nourrir les enfants. Les familles ont de quoi nourrir les enfants, mes chers frères et sœurs. Les enfants handicapés sont heureux. Grâce à nous. On ne dit pas que, oh, comme ils sont handicapés là, ils vont donner quoi aussi en retour demain. Non, on les aide avec la voix de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'osent même pas aider les handicapés. Les enfants avec l'autisme, les enfants avec la paralysie, qui ne trouvent pas bon de les aider, qu'est-ce que ces enfants vont leur apporter. Parce que les gens qui aident seulement, c'est les enfants que demain peuvent travailler leur maître. Nous regardons les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, mes chers frères et sœurs. Les enfants qu'en retour seulement, c'est la bénédiction de Dieu que nous avons. La bénédiction de Dieu. Les amours de frères et sœurs, merci infiniment, mes chéris. Vraiment merci. Voilà. Il faut faire vite, ma chérie. Ce n'est pas seulement que ça a fait. Bon, je dois être rapide. Rapide. Oui. J'avais les poches de soie. Quand j'arrive, je commande d'abord pas la cuisine. Je commande tout pas la cuisine, le haut, le bas.
Je vais faire d'abord la cuisine, je fais le salon, tout et tout. Après, je monte bien. Je fais maintenant le haut. C'est comme ça que je fais toujours. Je monte et fais le haut. Après, c'est pas dans un hôtel de 6 chambres. 6 chambres, les maisons de vacances, les grandes maisons de vacances là. Je vais pas là-bas, ici avec ma cota et les autres deux employés aussi. Qu'elle a recruté. Donc, c'est là ensemble là-bas. Ah, bonjour, bonjour. Anaïs, bonjour maman. Attention aux gens ici. Il y a des gens qui essaient de faire attention à la reine galloise. On peut te reporter. Comme tu n'as pas le droit de travailler, tu fais les directs que tu travailles là. On peut te reporter. Allez reporter. Allez reporter. Moi, je veux ça pour vous reporter là. Ok. Je vous ai dit que chaque obstacle de ma vie serait un avantage pour lever ma voix pour les enfants différents. Pourquoi c'est ceux qui sont déjà morts là? Ils n'ont plus peur de la mort. Chaque obstacle de ma vie serait un avantage pour moi pour lever ma voix pour les enfants là. Pas des gens qui vont dire que oh, tu n'as pas le droit de travailler, tu savais le noir, tu fais le direct. Oh, blabla, ça n'a pas de sens, tout ce truc là. Non, maman. Il y a beaucoup qui travaillent le noir ici. Il y a celui qui aura le travail, qui travaille normalement. Et après le travail normal, ils travaillent dans le noir pour avoir plus. Ce n'est pas un nouveau truc. On connaît tout ça. Nous connaissons tout ça ici. Je ne suis pas la première. Mais on va te reporter. Je vais dire pourquoi je fais ça. Qui me donne le travail? Tu vas dire, ok, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Je vais travailler, vous allez refuser. Donne-moi maintenant le travail, il n'y a pas de problème. Là, je travaille. C'est vraiment. Je ne vais pas parler plus de mon nom. Il y a trop d'énergie, il y a trop d'énergie, toute énergie là. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais utiliser cette énergie là, moi. Allez. Le petit plat d'arrière, comment tu vas? Oui, un grand merci pour ce que tu fais pour. Amen, il m'a suivi. Courage, courage, c'est exceptionnel. Exactement, tous obstacles. Juste, voilà. Tout obstacle de la vie serait juste un avantage. Alors mes amours, je vous laisse. Je dois faire ça en 1h40 minutes. Il faut que je finisse vite, pardon. C'était juste pour vous montrer ce que je fais au quotidien. Chaque fois. Donc voilà d'où vient aussi la perte du poids. La perte du poids de la reine galloise. Vous voyez, la reine galloise, aujourd'hui, n'a plus le ventre. Tout ça là. C'est vrai, j'ai réduit mes quantités de nourriture. Je mange à 18h, je ne mange plus jusqu'au lendemain. J'ai réduit le sel, le cuivre, tout ça là. Oui, c'est vrai. Et les portions aussi, j'ai réduit. Mais c'est le travail que je fais aussi. Je ne dors plus, je travaille. On doit élever les actions. Je dois encourager mes frères et ceux qui viennent m'aider là, de toujours venir parce que c'est un combat à durée indéfinie, vous le savez. Et vous savez que notre page aussi est restreinte. On va seulement faire avec comme ça, il n'y a pas de problème. Géraldine Choudou, ma soeur chérie, bisous. Bonjour mes chéris, que Dieu vous bénisse. Ensemble, l'union fait la force. Merci et bisous.